Eh ben, il va peut-être falloir que j'arrête de te suivre, moi. Sinon, je vais commencer à prendre du poids. Tu sais parler le langage de ceux qui marchent debout? Je sais parler le langage de tous les êtres vivants qui peuplent ce monde. Mais comment? Excuse, je mange. Descends-moi de là! Ouais, bien sûr! Je te décroche et toi, tu promets que tu me feras rien, c'est ça? Oui, tu as ma parole. Délivre-moi, je te laisserai même partager mon repas. T'as rien trouvé de mieux? Je te libère et en plus, tu manges la moitié de mon poisson! Bah dis donc, t'es vraiment pas doué pour la négociation, toi. Mais pour ce qui est de cuire le poisson, là, t'es vraiment fort. Mais qui es-tu? Tu as devant toi Ursus. Le plus grand, le plus puissant et le plus majestueux de tous les ours que la Terre ait jamais porté. Un ours, toi? J'ai vu des lapins plus costauds. Ouais, c'est ça, rigole. En attendant, c'est pas moi qui pendouille la tête en bas, singe sans poil. Singe sans poil? Hé! Non, pars pas comme ça! Attends, reviens tout de suite! D'accord, tu es un ours! Serais-tu un démon? Un démon? Non. Juste un idiot qui s'est pris à son propre piège. Comment est-ce arrivé? Je me suis fait attaquer par un... par un ours énorme. Peut-on savoir d'où tu viens, cheveux de feu? Cheveux de feu? Ah, c'est déjà mieux que singe sans poil. Réponds-moi. Mon nom est Raon, fils de Krao. Je viens du Mont Bleu. Hein? Du Mont Bleu? Tu es vraiment très loin de ta terre, fils de Krao. Je n'ai plus de terre. La colère du Mont Bleu a tout ravagé. Et tu as réussi à échapper à tous les dangers de la grande forêt? Tu n'es peut-être pas si idiot que ça, en fait. Sangha! Par là! Venez! On a retrouvé la trace du Longcorne. Un Longcorne? Il vous faut un cinquième chasseur pour capturer cette bête. Pourquoi pas? Tu as déjà capturé une bête aujourd'hui? Oh! Aïe! Merci. Gouna, Octar, Noama, et moi? Toi, tu restes là. C'est absurde, sans moi, vous n'y arriverez jamais. Tu restes ici. Folie!
compliqué, là. Qui chasse qui, déjà? Viens, Longcorn! Viens, suis-moi, si tu l'oses! C'est comme ça qu'on devient une espèce en voie de disparition. Cheveux de feu a passé trop de temps la tête en bas. Il conduit le Longcorn vers le marais. Suis-moi, Longcorn! Cheveux de feu est un très grand chasseur. Cheveux de feu est complètement fou, oui. Il a bien failli se faire tuer. Je suis vraiment désolé. De quoi? Sans toi, le Longcorn nous aurait tous piétinés. J'aurais voulu tout sauver, vous et votre gibier. Oh, tu es drôlement exigeant comme garçon, dis donc. Ne fais pas cette tête. Les garçons de mon clan, ils sont exactement comme toi. Ça doit être une question d'âge. Comment est-il, ton clan? Eh bien, viens donc à notre village. Tu verras par toi-même. Nous nous appelons le clan des loups. Ça doit être un clan vraiment très soudé, alors. Car les loups vivent toujours en meute. Noana! C'est pour ça qu'ils survivent, cheveux de feu. Noana. Sanga aurait dû écouter Cheveux de Feu. Quatre chasseurs, ça ne suffit pas pour attraper un Longcorn. Nous avons perdu deux jours de chasse. Que diront ceux du clan si nous revenons les mains vides? Personne ne peut prédire si une chasse sera bonne ou non. Le Longcorn était fort. Et il fallait être très brave pour l'affronter comme vous l'avez fait. Tu me plais, fils de Grao. Notre clan aurait besoin d'un chasseur comme toi. Cheveux de Feu a prouvé sa valeur, lui. Noama pense qu'aucun homme n'est assez valeureux pour qu'elle abandonne la chasse. Serais-tu cet homme-là, cheveux de feu? Veux-tu chasser avec nous ce matin, Raon? Un gibier tout à fait particulier. Bien sûr, comment pourrais-je refuser? La voilà. Je ne comprends pas, Sanga, c'est une femme. Non, pas une femme, une ennemie. Mais enfin, c'est un être humain. Non, Raon, ceux des cavernes ne sont pas comme nous. Je ne vous laisserai pas faire ça. Mon père a toujours combattu ceux des cavernes. Et son père avant lui, car ce sont nos ennemis. Cette femme n'est pas mon ennemi. Je vous l'avais dit, il est complètement fou. Assez parlé. Si tu ne veux pas participer, ça te regarde. Allez maintenant, laisse-nous passer. Sanga, j'admire ton courage et je te remercie pour ton hospitalité. Mais je t'avertis, je ne te laisserai pas porter la main sur cette femme. Il me semble que tu prends cette affaire très à cœur. Nous n'allons tout de même pas laisser une ennemie gâcher notre amitié toute neuve, voyons. N'est-ce pas, Raon? J'en suis heureux, Sanga. J'aurais été peiné de t'affronter. Oh, mais moi de même, mon ami. Raon, fils de Krao, je ne te tuerai pas aujourd'hui. Mais si tu oses encore t'opposer à moi, je serai moins généreux. Celle des cavernes a filé, mais elle n'est certainement pas allée bien loin. On va la retrouver.
Les âges farouches ne dureront pas toujours. Le temps viendra où ceux qui marchent debout comprendront enfin qu'ils ne forment qu'une seule horde et qu'ils peuvent vivre en frères. Promets-moi, jamais tu ne prendras la vie d'aucun de nos semblables. Car c'est le même sang qui coule dans nos veines. Avec ton grand cœur, tu vas finir par énerver la reine des ombres, et si tu veux savoir où ça mène, eh ben tiens, t'as qu'à me regarder. Oh, je suis vraiment obligé. Merci. Pas étonnant que tu te brouilles toujours avec tout le monde singe sans poil. Mais qu'est-ce que tu me veux, Ursus? Pourquoi tu me suis tout le temps? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Toi et moi, Raon, on est fait pour être ensemble. Oh, j'ai un peu de mal à rire là, mais crois-moi, c'est pas l'envie qui manque. Mais réfléchis, nous sommes tous deux sans famille, sans personne, guettés par plein de dangers. Si nous faisions route ensemble... Pas question, je ne voyagerai pas avec un lapin qui parle. Un ours, et je pourrais être très utile. Tu sais, Raon, je connais tous les coins et les recoins de la Grande Vallée. Et moi, je dois pas être trop idiot, puisque je me fais pas prendre à mes propres... pièges. J'ai dit pas question. Raon, j'en peux vraiment plus d'être tout seul. Les autres ours, ils me méprisent comme si j'avais une vilaine maladie. Et les femelles, là c'est encore pire. Bon, je vais être clair. Je ne voyagerai pas avec une créature qui vole ma nourriture, qui parle tout le temps et qui pue le... Oh, mais c'est quoi cette odeur? Oh, j'ai un peu dormi chez le vieux putois la nuit dernière. Mais d'habitude, je sens bon, hein? Laisse-moi au moins te raconter mon histoire! Alors là, surtout pas. Simalakata, Amila Sasupta, Wangalamita la Sala, Amila Sasupta. Oh! Tout a commencé il y a très très longtemps. À cette époque-là, toi mon petit gars, tu marchais encore à quatre pattes. Mais moi j'étais un ours. Le plus puissant de tous les ours. Mon territoire s'étendait des terres blanches jusqu'à la terre jaune. Et devant moi, tout le monde tremblait de terreur. Je régnais en maître sur toute la contrée. Hey, tu pourras au moins faire semblant d'écouter. Mais t'inquiète donc pas pour cette femme, ils peuvent rien lui faire. C'est une très grande chamane. Tu feras mieux de t'inquiéter pour ceux qui la harcèlent. Oh, pitié, mais tu ne peux donc pas te taire? Bien sûr que je peux me taire. Je me tais quand je mange. D'ailleurs, ça me fait penser, si on cherchait un petit truc à croquer, hein? Sangha, cette femme est une sorcière. Sa magie la protège. Ça ne m'empêchera pas de la tuer. Bon, où en étais-je, moi? Ah oui. Je régnais en maître sur toute la contrée. Et puis un jour... elle est apparue. La reine des ombres. Elle venait pour m'emmener. Elle disait que mon heure était venue. Mais moi non, je n'allais pas me laisser faire. J'avais trop de raisons de vivre. La douce caresse du soleil d'été. Le gros os à moelle qui craque sous la dent. Ah, oh, les petites sources. Oh, les jolies petites ours. Ah! Économise ton souffle, courte patte. Ce n'est vraiment pas le moment de raconter des histoires. Vous l'avez dit, je ne vous laisserai pas porter la main sur cette femme. Tu n'es décidément qu'un entêté, fils de Krao. Mon père m'a enseigné la persévérance. Tu as lassé ma patience, Raon. Et maintenant, je vais te le faire payer, crois-moi. Oh!
impressionné. T'es vraiment pas doué pour fraterniser, mais quand il s'agit de te faire des ennemis... Tu disais que tu connaissais cette fille? Comment s'appelle-t-elle? Tetia. Je m'appelle Tetia, et je te remercie pour ton aide. Sois aimable, c'est une très grande chamane. Mais tes yeux, ils sont morts. C'est ça que t'appelles aimable? Regard perçant me prête sa vision. Il a d'excellents yeux, les meilleurs qui soient. Et je n'ai pas besoin d'yeux pour lire dans les cœurs, fils de Krao. As-tu lu dans le mien? Oh, mais oui. Et c'est un cœur pur. Sans doute trop pur pour ce monde. Aussi, je te déconseille de t'attarder ici, dans la Grande Vallée. Eh bien, voilà qui n'est pas très accueillant. C'est pas vrai, mais il la cherche, ce fou. Alors qu'elle pourrait le transformer en tout ce qu'elle veut. Bien sûr, ici, tu rencontreras de nouveaux amis. Peut-être même l'amour. Mais tu le perdras. On m'a déjà prédit des choses très désagréables. Certaines se sont produites, d'autres jamais. En tout cas, je crois qu'il vaut mieux ne pas trop lire dans le cœur des autres. Et il lui fait la leçon, c'est de pire en pire. Tu affronteras quantité d'ennemis et livreras d'innombrables batailles. Alors méfie-toi de la Reine des Ombres. Attends, ne pars pas! Tu sais, je crois que je vais peut-être rester ici. Je la trouve agréable, cette vallée. Alors ça, tu vois, c'était vraiment puéril. En ce cas, nous nous reverrons, Raon. Nous nous reverrons. Tu disais bien que tu l'avais croisée, toi, la Reine des Ombres. Oh, mais tu as écouté, alors? Oui, je l'ai vue, la Reine des Ombres. Et elle voulait m'emmener dans son royaume dont personne ne revient jamais. Mais toi, tu t'es défendue. Tu veux savoir si je me suis défendue? Bien sûr que je me suis défendue. Enfin, pas à coup de griffe. Non, bon, en fait, je me suis enfui. J'ai couru jusqu'à l'endroit où habite l'esprit des marais. C'est pas un très bel esprit, loin de là, mais il est très puissant. Je l'ai supplié de me donner un nouveau corps pour que la Reine des Ombres ne me retrouve jamais. Je pensais à un nouveau corps d'ours, moi! Un corps d'ours! Pas à ça! Non mais regarde, tu trouves que ça ressemble à des pattes, toi? Puisque tu tiens tellement à vivre, il en sera donc ainsi. Tu vivras éternellement. Dans un corps minuscule et si affreusement laid que tous n'auront plus pour toi que mépris et dégoût. Je le savais en plus. On n'essaie pas de ruser avec la Reine des Ombres. Voilà où ça peut mener. Tu dis que je ne sais que parler, bafrer, mais tu m'as regardé, un estomac monté sur pattes. Et courte en plus les pattes, mais de quoi te plains-tu? Tu as la vie éternelle et tu parles le langage de tous les êtres vivants. Ah oui, bien sûr, t'as raison. Comme ça, je peux écouter les vermisseaux me traiter de mocheté pour l'éternité. Bonne nuit, Ursus. Bonne nuit. Singe sans poils.